Bonjour, je voulais souligner une petite phrase qui aurait pu rester anodine quand on y pense, qui est issue d'un congrès auquel a participé Vladimir Poutine, qui s'appelait Rose Congress 2017, et au cours duquel il a été interrogé par des journalistes, et dont voici un léger extrait. Il nous semble que les États-Unis avaient envie et des intérêts dans l'affaiblissement de l'Europe. Et en Europe, on doit conclure qu'il y a des choses que nous avions supervisées. Et Poutine répond, je ne veux offenser personne. Mais ce que Madame Merkel a dit était dicté, incluant les lourds sentiments accumulés au long terme. Je vous assure, quoi qu'elle puisse dire plus tard, que la souveraineté est limitée. Et par-delà la trame, d'ailleurs, à l'occasion des alliances militaires et politiques, il est officiellement restreint. Il est écrit et prescrit ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et en pratique, c'est même encore plus strict. Rien ne peut être fait qui n'a été autorisé. Et là, c'est le point. Qui autorise les boss? Où sont les boss? Là-bas, très loin. Et bon, je ne saurais trop vous faire remarquer le délicieux mouvement de main qui accompagne cette phrase. There, far away. On voit bien là sa main être montée. J'adore le petit regard en coin. Lui, je me demande s'il est en train de regarder dans le public, si quelqu'un a entendu. C'est le représentant indien. Voilà. Far away. Et elle, là, bon, ben, elle enchaîne sur autre chose, hein, je peux vous montrer. Elle enchaîne sur l'OTAN. Ah, elle est mignonne. Voilà. C'était juste un grain de sel, on va dire. Je vous salue. À bientôt.